Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux musée Guimet, Musée national des arts asiatiques. Je vous retrouve pour la seconde partie de nos deux émissions exceptionnelles consacrées à la magnifique exposition qui se tient actuellement ici même, Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Nous l'avons vu, il s'agit de la première exposition consacrée aux trois grandes médecines asiatiques en France qui s'est voulue ouverte à tous les publics, petits et grands. Sa préparation a nécessité 3 ans de travail avec les plus grands experts, scientifiques et conservateurs de ce domaine. Nous avons sélectionné les figures principales de ce panthéon médical asiatique et l'une des plus essentielles, c'est ce Bouddha qui est désigné usuellement sous le nom de maître des remèdes, Baishajyaguru. Ce Bouddha spécifiquement voué à la science médicale, c'est une œuvre japonaise, en fait, du 18e, 19e siècle de notre ère. Cette pièce nous montre vraiment la quintessence même de l'idée de soins, de l'idée de santé. Et puis, de l'autre côté, nous avons un tanka, une peinture tibétaine du 14e siècle, donc beaucoup plus ancienne, où l'iconographie de ce même maître des remèdes est transcrite de façon beaucoup plus détaillée. Le récipient qui contient la matière médicale et la graine qu'il tient dans la main, ou le fruit qu'il tient dans la main, qui est soit le fruit du mirobolant, soit aussi quelquefois, dans certaines traditions, une noix d'arec. Et puis au-delà donc de ces attributs, de ces objets qui caractérisent en fait toujours les images religieuses dans le monde asiatique, il y a une couleur particulière. Notre Bouddha est bleu, un bleu très soutenu. Ce bleu est la caractéristique du Bouddha de médecine. Alors associé aux attributs, on ne peut pas manquer de le reconnaître ici. Au rang des personnes les plus fragiles et qu'il convient de protéger, il y a évidemment les enfants. Cette sculpture qui représente la déesse Arity, c'est une sculpture qui a été créée dans le contexte dit de l'art du Gandhara au début de notre ère, entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. L'histoire d'Arity est en fait l'histoire d'une conversion. Arity était en fait une ogresse dévoreuse d'enfants qui sévissait dans la région de la ville de Rajgir, qui se situe au nord-est de l'Inde. Et donc, elle terrorisait les habitants de cette ville qui voyaient peu à peu leurs enfants disparaître, puisqu'elle enlevait les enfants et elle les dévorait. Et donc, on envoie le Bouddha dans la résidence de cette ogresse, mais il ne la trouve pas. Il ne reste dans cette résidence que un seul de ses fils. Et entendant Arity revenir, le Bouddha va cacher cet enfant sous son bol. Donc, l'enfant disparaît. Arity est désespéré de ne pas trouver son enfant, son fils, et donc va se mettre à le chercher partout, dans la ville, dans la région, dans le pays. Il ira même chercher dans le ciel divin, auprès de Indra et de Brahma. Et ces derniers vont lui conseiller de s'en remettre au Bouddha. Et donc elle retourne, elle va voir le Bouddha et elle lui explique sa peine d'avoir perdu un enfant. Et là, le Bouddha va lui dire « Mais Arity, combien as-tu d'enfants ?» Et Arity répond « J'en ai 500. » Et il dit, mais sur ces 500, il ne t'en manque qu'un. Et tu vois la peine que cela te cause. Arity dit, oui, évidemment, je vois. Il dit, imagine ses parents à qui tu n'as enlevé leur unique enfant. Imagine la peine qu'ils vivent. Et Arity, sous les mots de Bouddha, va comprendre ses actes, évidemment, s'en remettre et se référer à la loi bouddhique. Et au moment où elle va le faire, le Bouddha va soulever son bol et donc rendre à Arity l'enfant qu'il lui avait, d'une certaine manière, subtilisé, mais pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agissait de la convertir à la bonne foi, à la bonne loi. Voilà. Donc c'est pour cela que Arity est vénérée comme l'une des protectrices des enfants, notamment au Japon, qu'on appelle Kishimujin, dont une représentation est aussi présentée dans l'exposition, mais un petit peu plus loin dans le parcours. En Asie, la mortalité infantile a été extrêmement élevée jusqu'à récemment. Donc on a développé un certain nombre de pratiques pour pouvoir protéger cet enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, puisqu'on considérait que 7 ans était un âge, en fin de compte, où l'enfant était hors de danger.
On pensait que l'âme de l'enfant n'était pas bien accrochée à son corps. Donc pour pouvoir en fait la fixer de manière définitive à son corps, on fabriquait des bijoux qu'on appelle des cadenas d'âme. Donc ce sont vraiment des amulettes en forme de cadenas avec des sortes de petits grelots qui éloignaient les mauvais esprits. Alors on connaissait quand même la pédiatrie, les maladies, on avait des traités. Le premier traité pédiatrique au monde, en fait, il date du 6e siècle. Il a été écrit par Sun Simiao, qui était un des grands médecins chinois. Mais néanmoins, la médecine a quand même toujours été très liée au monde des esprits et on considérait en fait que l'enfant devait être protégé le plus possible contre ces mauvais esprits qui pouvaient pénétrer son corps et générer des maladies. Parmi les vêtements protecteurs, il y en a un qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il répond vraiment à des critères pédiatriques. À la suite de ces premiers traités pédiatriques que l'on voit en Chine, on a confectionné ce qu'on appelle des dedou. Alors, c'est une sorte de tablier. Et en fait, ce dedou, il était destiné à protéger l'ombilic. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte assez tôt que ce qui s'infectait le plus chez l'enfant, c'était justement le cordon ombilical. Eh bien, les médecins préconisaient en fait de protéger cette partie du corps. Donc, ce vêtement, en fait, protégeait l'ombilic. Et donc, c'était déjà une forme, finalement, de médecine qui était liée à une pratique vestimentaire. Parmi les animaux qui protègent le plus l'enfant, on trouve le tigre. Le tigre, en fait, éloigne les mauvais esprits. Alors, il est toujours représenté de manière effrayante, pas du tout pour effrayer l'enfant, mais bien pour effrayer, justement, les mauvais esprits. Alors, il a toujours, en fait, des crocs acérés, des narines dilatées. Et parfois, en fait, on fait porter à l'enfant, en plus de ses vestes, des chapeaux, des chaussures. Il peut y avoir un double tigre. Alors, on voit aussi une iconographie assez riche autour du chien, du chat. Et l'enfant devait porter, en fait, ses vêtements lors de fêtes spécifiques, mais parfois aussi quasi quotidiennement jusqu'à l'âge de 7 ans. Les médecines asiatiques, qu'elles soient ayurvédiques, chinoises ou tibétaines, vont avoir tendance à prévenir le mal avant qu'il n'arrive. Et donc, quel meilleur moyen de prévenir le mal que de s'attribuer les bienfaits des astres ? C'est la raison pour laquelle je me trouve ici à côté de ces deux petites sculptures qui nous proviennent du Japon et qui sont en fait deux planètes. D'une part, le Soleil et puis ici, la Lune. Donc disons, dans le parcours de santé d'un malade qui est victime d'une maladie de cause surnaturelle, on va consulter les astres à peu près systématiquement lorsqu'on va faire entreprendre quelque chose d'important dans la vie. Ça peut être une démarche personnelle, mais dans le cadre de la médecine, ça peut être aussi pour fixer le jour d'une opération. On va forcément la faire un jour faste. Le chamanisme est aussi très présent dans la prévention et la guérison des maladies. Il représente à la fois le lien entre l'homme et la nature, mais aussi celui entre le monde des vivants et le monde des esprits. En effet, entre divin et médical, se développe un dialogue entre santé et surnaturel. On le retrouve lors de cérémonies animées où des masques très expressifs sont utilisés. Parmi les chefs-d'œuvre de l'exposition, nous avons cette chemise talismanique. Alors, c'est vraiment une pièce totalement exceptionnelle. Elle n'a jamais été exposée. Elle date de la fin du 15e, début du 16e siècle, c'est-à-dire des sultanats indiens. Il n'y a que 7 pièces de ce genre qui soient parvenues jusqu'à nous dans le monde. Alors, c'est une chemise sur laquelle la totalité du Coran est inscrit, avec en rouge les noms des sourates et avec en doré tous les noms de Dieu, tous les noms d'Allah. C'était une chemise qui pouvait être portée sur lui par le jeune prince, en fait, sur le champ de bataille, pour éviter évidemment les blessures de guerre, mais d'une manière générale, c'était une chemise qui protégeait des maladies. Elle pouvait aussi être repliée, en fait, et être portée dans un ouvrage creux, sur soi, comme une amulette. On peut les dater, ces pièces, parce qu'en fait, il y a une analogie iconographique et esthétique avec les manuscrits. En fait, ça sortait finalement des ateliers de manuscrits, puisque c'était à l'aide d'un calame qu'on écrivait la calligraphie avec de l'encre. Donc ça fait partie de ces pièces totalement exceptionnelles et rares que l'on voit très peu et qui n'ont jamais été exposées. Donc cette dernière partie, cette dernière galerie de l'exposition est consacrée au lien entre l'Orient et l'Occident par la traduction de traités, par la connaissance un peu plus intime de ce qu'étaient ces médecines asiatiques pour les Occidentaux. Ce mannequin d'acupuncture nous a été ramené par un homme, un néerlandais, au XVIIIe siècle. Cet homme, c'était Isaac Tietzing. Il a également traduit un texte
sur les effets de la piqûre de l'acupuncture. Et ce texte sera ensuite traduit en 1825 du néerlandais vers le français par Jean-Baptiste Sarlandière, qui va même inventer une nouvelle technique, puisqu'il va combiner les effets de l'acupuncture avec les effets de l'électricité. Et c'est ce qu'on appellera l'électroponcture, qui est encore aujourd'hui une des techniques que l'on peut utiliser pour se soigner. Il y a un point très important qui m'a interpellé dans ces médecines, c'est l'approche globale, on dit holistique, de la santé. C'est-à-dire qu'on aborde la personne du point de vue de son corps, mais aussi du point de vue de son esprit, du point de vue de ses interactions à l'environnement. Une dimension de l'être qui est bien présentée ici, c'est tout ce qui touche aux connaissances sur les souffles, les systèmes énergétiques, les chakras, les nadis, les méridiens d'acupuncture, toutes ces disciplines qui, de yoga et de méditation qui peuvent en fait être comprises du point de vue scientifique. Et c'est quelque chose qui fait pas partie de notre culture. En dehors de la vision globale, effectivement, la médecine tibétaine ou les médecines orientales ont une vraie conception, une vraie compréhension de l'approche psychosomatique. Et c'est quelque chose qui, en Occident, est extrêmement débutant. On a des connaissances très rudimentaires. Ça commence à peine à être reconnu, l'importance de la santé émotionnelle par rapport à la santé du corps. Et il y a encore des médecins qui pensent que les émotions sont dans la tête, alors que si on regarde très concrètement, quand on rougit, on a bien un afflux de sang, une sensation de chaleur, il y a des manifestations physiques évidentes. Et la médecine tibétaine explique, ou la médecine orientale de manière générale, explique que ces manifestations émotionnelles peuvent poser des problèmes de santé quand elles sont intenses, durables, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien pour la prise en charge de la maladie, pour en réduire les causes, que dans l'éducation à la santé. Et c'est d'ailleurs un point très très important dans ces pays où ces disciplines sont encore vivantes. L'éducation à la santé émotionnelle est au cœur de l'éducation des enfants. Ce que je souhaitais, en fait, c'est que les visiteurs visitent une exposition, bien sûr, qu'ils apprennent des choses, parce que c'est le but, mais qu'ils comprennent peut-être aussi mieux leur corps. Je voulais que les visiteurs vivent une vraie expérience immersive. Alors, on le voit dès l'entrée, en fait, avec la personnalisation des flux énergétiques qui traversent le corps pour qu'on ressente aussi ce que cela veut dire, et qu'ensuite, ils aient plusieurs moments d'expérience dans l'exposition avec cette salle de méditation où ils peuvent s'arrêter et méditer sur leur souffle au son d'une méditation de Mathieu Ricard, qu'ils pénètrent aussi dans des espaces, en fait, qui sont isolés par des rideaux de tissu, parce que l'essentiel, c'était aussi qu'ils comprennent que cette médecine, elle est scientifique. Elle a eu des traités, mais elle est aussi évidemment très liée au monde des esprits. Et ces rideaux, en fait, témoignent de la séparation entre le sacré, en fait, et le monde terrestre, entre le divin, en fait, entre le monde des dieux et le monde des hommes. Ce sont, en fait, des liens avec le monde des esprits. Et ça fait partie inhérente, en fin de compte, de cette médecine. Avant de nous quitter et pour prolonger ce magnifique voyage, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le sublime catalogue qui accompagne cette magnifique exposition, Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, une coédition Infine et Musée national des arts asiatiques Guimet. Vous y retrouverez chaque section de l'exposition illustrée par différentes œuvres ainsi que des textes explicatifs des plus grands spécialistes de ce domaine. Le savoir de la vie, le florilège de l'Ayurveda, publié aux Belles Lettres. Vous y retrouverez les textes choisis, traduits et présentés par Michel Angot. Et enfin, médecine traditionnelle chinoise, plantes médicinales occidentales, d'Anne Vastel et Sylvie Chagnon, publié chez Guy Trédaniel. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. Merci pour votre fidélité.